les premières lueurs de l'aube. L'air commence à se réchauffer. À 400 mètres d'altitude, ici, dans les reliefs tout au sud de l'Afrique, il fait 10 degrés le matin. Nous sommes au mois de juin, en plein hiver austral. Dans cette région du Cap, l'océan Indien rejoint l'océan Atlantique, bousculant la météo, qui parfois change du tout au tout, plusieurs fois par jour. Sur les côtes de Gants Bay, la population sud-africaine n'est pas très nombreuse. Les habitants, ce sont surtout des animaux. Comme lui, le daman, en plein réveil. Ce petit mammifère pullule dans les rochers où il trouve les végétaux indispensables à son alimentation. Très farouche, il fait un peu penser à la marmotte. Mais pour ce qui est de son anatomie interne, curieusement, son plus proche parent, c'est l'éléphant. Le daman n'est pas le seul à se plaire dans la rocaille et dans la brousse. Le naja s'y sent tout aussi à l'aise. Le naja, plus connu encore sous son autre identité. Un cobra du Cap. Ces reptiles sont endémiques à cette région d'Afrique du Sud. Ils passent tout l'hiver, cachés dans des failles, au sommet des montagnes qui longent la côte de Gants Bay. Ces serpents possèdent un venin neurotoxique et sont en général assez agressifs. À cette saison, la température ne dépasse pas les 15 degrés. Ils sont alors beaucoup plus calmes et se laissent plus facilement manipuler. Les cobras et les autres animaux de la région du Cap ne seront pas notre priorité. Nous allons rejoindre la côte pour y observer la faune et la flore aquatique de la pointe de l'Afrique. Le cobra sent que la menace s'éloigne. Ce reptile peut mesurer jusqu'à 2 mètres de longueur et sa morsure peut s'avérer extrêmement dangereuse. Mais si on l'évite, il n'attaquera jamais. Un humain est une proie bien trop grande pour lui. Notre cobra, lui, a décidé maintenant de retourner vers la faille dans laquelle il hibernera encore durant 2 mois. 400 mètres de descente pour atteindre la côte, pas de chemin, et le vent du large qui sans cesse fouette le visage, car sur ces versants, il n'y a pas de forêt pour s'abriter. C'est le fine bush qui pousse, une végétation de buissons très bas et très robuste. L'aridité des lieux convient parfaitement à un autre reptile que le cobra, la vipère, plus petite mais bien plus préoccupante. Car à l'inverse du cobra, qui prend facilement la fuite, la vipère, elle, pour se défendre, n'hésitera pas à mordre si l'on s'en approche trop. L'océan est maintenant tout proche et l'atmosphère se charge des odeurs océanes, mais aussi des fluves particulièrement nauséabondes. L'endroit est habité. Une colonie de manchots s'y est établie. Plusieurs centaines d'individus ont construit leur nid dans les rochers, faute de place pour creuser un terrier. La présence de l'homme les dérange. Si ceux qui ne gardent pas de couvée n'hésitent pas une seconde à prendre la fuite, les autres restent bien sagement sur place, guettant les moindres gestes de l'intrus. Les manchots nichent tout au long de l'année. Un couple élève en général 2 poussins qu'ils nourrissent jusqu'à l'âge de 2 mois. Ces jeunes sont en train de perdre leur duvet. Ils seront bientôt en âge de quitter le nid pour partir en mer avec la colonie et apprendre à pêcher. Le mâle et la femelle gardent le nid à tour de rôle. Ils n'ont peur de rien et sont prêts à tout pour défendre leur progéniture. Les poussins sont très fragiles et sont souvent la proie des goélands, des albatros ou encore des chacals. Leur seul moyen de défense, ce sont leurs parents, qui sont réellement très agressifs et déterminés face à n'importe quel prédateur, quelle que soit sa taille. Le matin, par groupe, les manchots se retrouvent donc avant de descendre ensemble vers l'océan, d'où ils gagneront ensuite le large pour aller chasser leur nourriture faite d'anchois, de sardines et de harengs. C'est le navigateur et explorateur portugais Vasco de Gama qui fut le premier, en 1498, à relater l'existence des manchots. Présents aussi à cette époque, les cormorans n'ont en revanche guère étonné Vasco de Gama. Le cormoran vit en effet partout dans le monde au bord de l'eau. Paradoxalement, toutefois, ces palmipèdes ne sont pas munis d'un plumage étanche, ce qui leur permet de plonger pour chasser. Ainsi, après chaque immersion, l'oiseau doit impérativement sécher ses plumes.
Le temps de s'arrêter près des cormorans, les manchots ont eux gagné le bord de l'océan. De quoi donner envie de les suivre dans ces eaux mythiques du Cap que craignent tous les marins du monde, dont les vents et les courants s'y déchaînent parfois. Les manchots rejoignent la mer par petits coups. Une fois dans l'eau, et après s'être lissé les plumes, ils partiront au large pour pêcher. Avant d'aborder les quelques 15 km de déplacement qui les attendent, les manchots se nettoient frénétiquement, enlevant toute poussière et tout parasite susceptible de freiner leur hydrodynamisme, et réduisant du même coup à néant tout espoir pour un plongeur de pouvoir les suivre. Mais renoncer à se glisser sous les flots serait une erreur, car à cet endroit, les fonds marins réservent de magnifiques surprises. Une fois acclimaté à l'eau froide, 12 degrés, et malgré la houle et les courants omniprésents, la chance est de la partie. L'eau reste claire. La faune et la flore se révèlent alors dans toute leur splendeur. Les fonds marins sont ici préservés, car le gouvernement sud-africain met l'accent sur la protection de la nature côtière. Observer des langoustes aussi près du bord sont un signe de qualité environnementale. Des anémones. Leur variété offre une palette de couleurs presque infinie. Parmi les anémones, des limaces de mer qui trouvent ici suffisamment d'éponges pour se nourrir. Si certaines espèces vivantes se parent des ornements les plus lumineux, d'autres préfèrent se camoufler, échappant du même coup aux prédateurs. Les prédateurs ne sont d'ailleurs pas très loin. Il y a les requins, par exemple, de tout petits requins, les roussettes comme elles s'appellent, et dont voici les œufs solidement maintenus par de tout petits filaments enroulés autour des plantes. Et puis il y a aussi des charognards nécrophages, c'est-à-dire un animal qui se nourrit exclusivement de poissons morts ou malades, en l'occurrence une myxine. Son ancêtre remonte à plus de 500 millions d'années, ce qui en fait l'une des espèces de poissons les plus anciennes au monde et encore observable actuellement. Toujours à la recherche d'un petit plat à déguster, la myxine est curieuse, mais pas dangereuse. Elle ne possède pas de mâchoire. À la place, elle utilise sa langue munie d'une sorte de petite structure dentelée pour manger. Voici une roussette, l'un de ces fameux requins de poche, 60 cm de long pour un adulte. Dans les eaux du Cap, il existe 4 sortes de roussettes. Celle-ci est une roussette vipérine, nommée ainsi à cause de sa ressemblance étonnante avec les teintes des vipères terrestres. Après son contact avec le plongeur, la roussette préfère aller se cacher un peu plus loin. Sous l'eau, les requins, comme beaucoup d'autres espèces, ont besoin de respirer, mais ils ne sont pas tous obligés de se déplacer pour le faire. C'est un système de valves qui amène l'eau chargée d'oxygène dans les branchies. Voici une cousine, la roussette rubanée. Elle est un peu plus grande. Adulte, elle peut mesurer 1 mètre de long. Une roussette panthère. Elle chasse habituellement la nuit, cherchant de petits poissons pour son festin. Mais dans la nature, même les chasseurs les plus prudents ont des ennemis. Pour les roussettes, ce sont les otaries. Après une telle charge, il n'y a plus rien à faire pour la roussette. Dans ce secteur, d'ailleurs, il y a passablement d'otaries. Elles en ont fait leur territoire. L'otarie à fourrure d'Afrique du Sud est la plus grande espèce d'otarie au monde. Un mâle pèse en moyenne 360 kg pour 2,30 m de long.
quand elles ne chassent pas, elles vivent calmement en colonie et viennent parfois se reposer parmi les laminaires, ces algues étranges qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de haut. Cette forêt d'herbes aquatiques est un vrai refuge. Après la chasse, épuisés, les otaries viennent se faufiler entre ces bons bouts de mer avant de regagner leur colonie terrestre sur les rochers. Leur seul véritable prédateur, à part l'homme, c'est le requin blanc. Mais à cause de sa taille et par crainte de se coincer, le requin blanc ne s'aventure jamais dans ce dédale de lianes, et les otaries le savent bien. Le fond marin n'est plus aussi profond. 8 mètres d'eau couvrent le sol. Les rives ne sont plus très loin. Dans ce secteur, les otaries se déplacent plus vigoureusement. Ce sont des jeunes. Plus joueuses, elles s'approchent volontiers pour tenter de mordre afin de sentir à qui elles ont affaire, pour découvrir quelle est cette présence inconnue. Après un dernier effort, les otaries regagnent l'îlot sur lequel elles ont élu domicile. Le parcours, là encore, est semé d'embûches, des vagues énormes et un courant incessant qui projette les corps contre les rochers. Plus loin, fort heureusement, un petit canal à l'abri des remous permet une sortie beaucoup moins hasardeuse. Il sera donc possible, au sec, d'aller observer la colonie. 55 000 individus recensés ici à Gants Bay. Sous l'eau, les otaries n'ont absolument pas peur de l'homme. Par contre, sur terre, il faut faire preuve de beaucoup de patience pour pouvoir les approcher. Sur ces rochers, elles ont de la peine à se déplacer et se sentent plus vulnérables. Il ne faut pas oublier qu'elles ont été chassées par l'homme pendant des dizaines d'années. On comprend mieux pourquoi elles préfèrent garder leur distance. Mais en prenant le temps et en les laissant s'habituer à une présence humaine, on finit toujours par arriver à se fondre dans la colonie. Sur cet îlot côtier, la colonie vit à l'année, grands et petits, tous ensemble. Une otarie peut vivre près de 25 ans, pour autant que ni l'homme ni le requin blanc, leur seul prédateur, ne les en empêchent. Aujourd'hui, le groupe est encore relativement calme, mais il y aura bientôt de l'effervescence. Les grands mâles sont de retour, la saison des amours va bientôt commencer pour assurer la descendance. Dans cette foule, il est parfois bien difficile de se frayer un chemin. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes otaries, car à cette même époque, les mères mettent bas leurs petits avant de s'accoupler à nouveau avec un mâle. Du coup, les jeunes nés l'année précédente sont chassés pour faire de la place et ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. Comme ce petit qui cherche sa mère, repoussée de toutes parts. Mais finalement, à force d'obstination, il la retrouve, du moins pour quelques temps encore. Pour les jeunes, les épreuves ne s'arrêtent pas là. Il arrive souvent que des otaries se prennent dans les filets abandonnés par les pêcheurs. Elles n'arrivent plus à se nourrir ou à nager et finissent par mourir de faim ou d'épuisement. Celle-ci aura eu un peu peur, mais au moins elle a la vie sûre. Nous allons
quitté le rocher des Otaries pour rejoindre André Hartmann qui nous attend sur son bateau. Il est l'un des premiers hommes à avoir osé plonger avec les grands requins blancs. Grâce à son expérience, il va tenter de nous faire découvrir ces requins sans cage de protection. André Hartmann est né dans la région du Cap. Il a donné rendez-vous à quelques brasses de là. Cédric s'y rend en nageant en surface parmi les otaries. Exercice risqué car dans cette excitation, les chocs sont inévitables. André est à l'heure, précis, consciencieux, toujours attentif à tout ce qui l'entoure. Pour observer les requins blancs, il faut aller à leur rencontre en fin de matinée. Cédric, remonte l'ancre rapidement. On doit partir. André Hartmann, c'est l'homme incontournable pour toute personne, scientifique compris, qui s'intéresse de près aux requins blancs. Il plonge depuis tout petit dans l'océan et tous les jours il est sur son bateau. Depuis une dizaine d'années, il travaille exclusivement avec les requins blancs. Il est le premier au monde à avoir plongé sans cage de protection dans l'océan pour prouver que les requins, fondamentalement, ne sont pas des mangeurs d'hommes. Pour André, désormais c'est une évidence. En respectant scrupuleusement des règles précises et donc en suivant ses conseils, on peut nager avec les requins sans se faire attaquer. Tu vois, Cédric, dans ce sac, on met du foie. C'est du foie de requin. Il faut en mettre assez. Parfait. Et on attache le sac dans l'eau derrière le bateau. Les requins vont venir, regarde. Et tu le presses de temps en temps. Ça dégage une odeur qui les attire. Normalement, ça devrait marcher assez rapidement. Ça, c'est un morceau de requin. Le requin blanc aime se nourrir d'autres requins. On utilise le foie pour les attirer et la viande comme appât. On la jette simplement dans l'eau. Cédric va tenter d'attirer un requin blanc à l'aide de restes de requin. C'est André qui récupère ses chairs auprès des quelques pêcheurs de la région, qui eux, en revanche, n'hésitent pas à décimer les populations de requins soyeux, une autre espèce, pour vendre leurs ailerons en Chine, où l'on en fait de la soupe. Emprisonné et pressé dans le petit sac qui flotte, le foie de requin, très gras, laisse échapper alors de nombreuses particules dans le fond de l'océan et en surface. De quoi attiser la curiosité et l'appétit des squales. La trace de gras en surface devient impressionnante, 200 mètres de long. Tu entends ce bruit? Quand les oiseaux font « Watcha! Watcha! » C'est le cri d'alarme quand ils voient un requin. Un requin blanc a croisé la trace et, instinctivement, il a bifurqué et s'approche du bateau d'André. C'est un gros, pas loin de 4 mètres de long. Il doit peser plus d'une tonne. Il fait des mouvements près du bateau. Il vient repérer ce qui a déclenché sa curiosité. Après avoir regardé la carcasse, il passe à côté une nouvelle fois pour préparer son action. Le but pour Cédric est maintenant de ne pas laisser le requin prendre la carcasse. Il faut attirer le requin et non pas le nourrir. Exercice manqué. Incroyablement vif, le requin a réussi à attraper le bout de viande. Il sent la nourriture. Du coup, il devient complètement excité. Il veut à tout prix découper un bout de chair. C'est justement ce qu'André voulait éviter, à savoir laisser le requin prendre la viande et déclencher ainsi un comportement extrêmement agressif. Car dans cet état, le requin peut dévorer tout ce qu'il croise et les chances de survie pour quiconque deviennent à peu près nulles. Dix minutes plus tard, la situation s'est calmée. Attention, ne le touche pas tout de suite. Laisse-le nager. Dès que les requins
tourne autour du bateau, il est nécessaire de tester le caractère de chaque individu avant de se mettre à l'eau. Il s'agit, en suivant les conseils d'André, d'attirer le requin près de la passerelle. En le touchant sur la mâchoire supérieure et en observant sa réaction, on pourra dire alors s'il est possible de se mettre à l'eau. Cédric, quand tu lui ouvres la gueule, s'il vient sur le côté, touche-le juste au milieu du nez. Ne le touche pas sur le côté. Et pourquoi il ouvre la gueule? Pour essayer de manger ta main. Cédric peut lancer un nouvel appât. Un autre requin s'approche lentement. C'est bon signe, car s'il s'approche en restant calme, si près qu'on puisse lui caresser le nez, cela signifie qu'il est moins agressif. Et que par conséquent, il est en état de laisser un plongeur se glisser à ses côtés dans la mer. C'est ce qu'André Hartmann tente de démontrer depuis 10 ans et que Cédric va essayer. Cédric, je pense que c'est le bon moment pour y aller. Le requin se calme. Tu peux te mettre à l'eau. Hey Cédric, tiens ta ceinture. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Quand tu es dans l'eau, si le requin vient vers toi, ne t'enfuis pas. Fais-lui face. Reste calme. Relax. Et surtout pas de panique. Le harpon de Cédric n'est pas chargé. Il ne lui servira que si le requin blanc se montre un peu trop curieux. Dans ce cas, quelques mouvements avec le fusil de plongée ou quelques petits coups de pic suffiront à décourager l'animal. Le requin blond n'apprécie pas d'être trop près de la surface, car il craint en permanence que l'un de ses congénères ne l'attaque par-dessous. Ils vont donc rejoindre rapidement le fond de l'océan dès que leur passage en surface ne se justifie plus. Une bonne raison pour l'équipe, munie de bouteilles, de descendre aussi par 12 mètres de fond afin de mieux observer les autres requins qui nagent sous le bateau. Le requin blanc est le plus grand poisson carnivore au monde. Sa taille et sa morphologie le rendent très impressionnant. Mais paradoxalement, pour des questions de constitution, il connaît aussi quelques faiblesses. Comme il n'a pas de vessie natatoire, s'il s'arrête de nager, il coule. Et en plus, sans mouvement, il ne peut plus respirer. Un requin blanc bouge donc tout le temps. Le requin blanc peut espérer vivre une quarantaine d'années. Dans plusieurs pays du monde et en Afrique du Sud, l'espèce est protégée. Il est interdit de chasser et de tuer ses poissons. À cause de leur aspect inquiétant, les requins, et en particulier les requins blancs, ont été longtemps marginalisés dans les études scientifiques. Également du fait de la difficulté de pouvoir les observer calmement. À tel point qu'aujourd'hui encore, ils nous réservent des surprises. Pas plus tard qu'en 2003 d'ailleurs. Quand un scientifique a pu observer qu'un requin blanc de Gants Bay avait parcouru plus de 20 000 km en moins de 9 mois, voyageant de l'Afrique du Sud jusqu'en Australie et retour. Une migration qui rend désormais mondiale le souci de protection du requin blanc.